Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc waouh, génial, d'accord, ça commence bien. Sur une nouvelle vidéo de la ferme savoyarde, donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. C'est tout simplement que bah voilà, j'ai au jour d'aujourd'hui, avant j'aidais moins mes parents à la ferme, moins ma famille. Mais donc faut savoir que là maintenant, donc je suis en âge bientôt de conduire, donc là, on commence à faire les foins tout, et cette année en plus, donc il y a eu les foins en même temps que la moisson, donc il n'y a pas eu une minute pour nous, quoi. On faisait du 8h, 22h, voire 23h. Voilà, donc c'est sûr que pour les vidéos, c'était pas tout simple. Et donc j'ai une petite annonce à vous faire aussi, c'est que donc Vincent, celui qui va avoir le serveur, va faire des vidéos aussi sur la chaîne maintenant, donc on en fera tous les deux, ou alors que lui, ou alors que moi, on verra bien. Voilà, ce sera un peu pour mettre plus de contenu sur la chaîne parce que en fait moi j'ai pas le temps, voilà, j'ai beau essayer de trouver du temps, j'en ai pas, et puis c'est vrai que le montage prend pas mal de temps aussi, et puis donc voilà. Donc surtout donc hier en fait, ça va être tout con, mais j'ai fait une vidéo, alors bougez pas, je vous y emmène voir, tac. Tac, voilà, donc hier j'ai fait une vidéo, donc j'ai fauché tout ça en fait, donc c'est normal qu'il reste 2-3, hein, ça déconne un peu. Donc j'ai fauché tout le champ là avec la petite faucheuse et le Renault, hein, en vidéo. J'ai aussi fané. Le problème, donc ça c'est la luzerne, hein. Le problème, c'est que ça a pas sauvegardé au montage et ça m'a supprimé le dossier et tous les fichiers. Donc moi qui essayais de faire une vidéo, j'étais un peu dégoûté hier, voilà, donc j'ai pas le courage de la refaire, alors je l'ai fait aujourd'hui, voilà. Donc alors aujourd'hui du coup on va aller auto-charger. Donc voilà, donc on avait aussi monté un bâtiment, alors j'ai essayé de vous le montrer. Non, on va utiliser une mode téléportation, ça ira plus vite. Ici, emmène-moi voir, pas que ça fasse ramer là. Alors voilà, là j'avais fait un bâtiment, voilà un comment, je vais me souvenir du nom, ouais, les tunnels, voilà, des tunnels en tôle, voilà, j'avais mis un tunnel en tôle pour mettre le fen dedans. Parce que donc maintenant il y avait des bottes de foin là-bas, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'avant il n'y en avait pas. Voilà. Et surtout qu'elles sont transparentes, donc bon bref. Donc il y a aussi le petit épandeur là, donc peut-être qu'on irait épandre, je sais pas, ça dépend s'il y a un peu de fumier, et je suis pas sûr qu'il y en ait. Hein. Un petit peu, mais pas énormément, hein. Il y en a. Ouais, il n'y a pas 1% de fumier, alors ça sert pas à grand-chose. Donc alors on va y aller, donc on va prendre le fent. Hop, on le démarre, on voit la fenêtre à l'arrière et on va prendre l'autochargeuse. Alors si ça veut bien y aller, parce que le problème c'est que c'est multifruit en fait, si vous voulez. Donc ça fait partie du script multifruit, je crois, la luzerne. Et du coup l'autochargeuse, je sais pas si elle va réussir à l'avoir. Donc on verra bien ça. Alors tac. Faut aussi attacher une PTO. Très bien, donc je quitte le jeu en fait en filmant, c'est génial. Voilà, donc je remets en marche le jeu, donc juste un synchro, c'est à quitter. 1, 2, 1, 2, ouais, voilà. Allez, tac, donc on y va. Ah, merde, c'était plein d'herbe déjà. Ouais, c'est ça. Alors j'en avais déjà pris un peu. Alors est-ce qu'on peut pas y verser par là? Faire un stock, puis on en mettra au genisse que quand on aura besoin. On va chez que quand il y en aura besoin. Attendez, bougez pas, faut que je redescende le... Voilà. Donc normalement ça s'appelle le cuit, hein, il me semble. Ah non, merde, c'est de l'herbe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le con là. Donc je crois que c'est là. Donc on va décharger tout ça là. Ah non, donc à moins, donc je sais plus si j'ai l'autochargeuse là, faut que j'y arrive. Je sais plus si l'autochargeuse là c'était de l'herbe que j'avais autochargé, juste de l'herbe quoi, ou si c'était justement la luzerne que j'avais fauchée et que ça comptait comme de l'herbe. Donc j'espère que c'est plutôt juste de l'herbe que j'ai fauchée. On verra bien. Dieu, c'est quand même vachement long. Hein. Il y en a quand même un peu dans l'autochargeuse.
Ce serait vraiment con que ce soit juste de l'herbe, hein, franchement. Bon, après, c'est ça le problème aussi. Je voulais faire un peu de maraîchage, on va dire. Mais le problème, c'est que. En fait, si vous voulez, sur les maps, justement comme ça, elles sont géniales. Mais c'est que des enchaînements, si vous voulez. Donc, en gros, faut avoir des palettes pour faire du maraîchage. Et pour avoir les palettes, faut mettre tant de je sais pas, c'est des fabriques avec du colza, etc. Faut avoir du diesel. Donc avec le colza encore une fois, c'est enfin c'est excusez-moi, mais bon c'est un vrai bordel. Et faut vraiment comprendre comment ça marche quoi. C'est assez compliqué. Donc bah du coup il y aura peut-être pas de maraîchage et surtout que c'est tout en allemand. Du coup bah j'y comprends encore moins que si c'est en anglais. Donc voilà, je suis désolé. Mais ok, là on va voir ça tout de suite si c'est de l'herbe. Ouais voilà, donc en gros c'est de l'herbe. C'était ça qui prenait quand même de l'herbe. Ah ouais c'est vrai, donc faut falloir les découvrir à la main si j'en prends trop d'un coup. Donc en fait je vais laisser ça pour voir si il n'y a pas plus de 100% à chaque fois, parce que sinon faut les débourrer et on n'y voit pas. Parce que c'est des gros andins, faut savoir que celle-là. Ah! Voilà, donc là vous voyez ça vient de bloquer. Alors je crois que c'est B, voilà. C'est en fait c'est un vrai bordel, faut pas aller à plus de 5-6 km/h. Voire 9, ouais si ça marche bien. Vous voyez en fait une allée ça fait 12, donc va falloir descendre jusqu'en bas après. On va y mettre directement aux vaches, comme ça au moins on se fera pas chier. J'ai peur que ça bloque là. Alors on va prendre l'andin d'à côté. Tac tac tac. Donc la logique ça aurait été commencer par les andins du bord, mais bon. Vu que moi la logique ça fait deux. Alors, coupé. Bah! 3, 2, 1, rallye. Ouais, donc vu que la logique, moi je vous disais, ça fait 2. Donc en plus, ça abîme les filets si vous voulez quand on arrive à 100. Mais enfin, j'aime pas trop les doucement non plus. Donc voilà. Putain, déjà 22%. Mais. Allez, voilà, ça c'est fait. On débourre et on est reparti. En fait, je crois qu'on va mettre le. Ah, voilà, j'ai déjà le limiteur à. Ah putain, ça va être trop vite. Même le limiteur à 9, il va trop vite. Alors, je sais plus comment on règle. Oui, c'est avec 1 et 2. Voilà. Pourquoi j'ai quitté? Allez savoir. Donc, ouais, 9, je suis con. C'est juste que c'était la carte. Donc, elle tac. Voilà. Vous voyez, même à 8, en fait, ça dépend vraiment de la grosseur de l'andin. Et vu que j'ai fait vraiment des gros andins, bah ça y aime pas trop. Et donc voilà, donc par rapport au partenariat, je voulais vous dire que donc avec lui, donc avec Vincent pour faire des vidéos, j'ai fait aussi ça parce que tout simplement j'ai été pris donc à la mode Servlex en bac pro agroéquipement. Donc le problème c'est que je vais être en internat, donc les vidéos je vais pas trop en faire, je pourrai en faire que les week-ends. Et pendant les vacances, donc ça va être un peu compliqué, surtout que je passe beaucoup de temps à la ferme, donc je préfère passer du temps à la ferme, je vais pas vous mentir, qu'à faire des vidéos. Donc voilà, parce que même si je touche un. Enfin, c'est pas du tout pour l'argent que j'ai envie de faire ça, du coup, bah, moi je passe le temps que je veux à la ferme, et donc c'est vraiment ça. Donc voilà, donc, du coup, on sera tous les deux, il y aura plus d'activités sur la chaîne. Donc voilà. On va faire l'andin du bord là. Ouais, donc ça rame un peu. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, il doit sûrement y avoir des mises à jour, des trucs comme ça. Et mes deux disques durs sont pleins, donc il va falloir que je fasse le tri. Je pense que c'est peut-être aussi un peu ça qui doit jouer dessus. T'as déjà 58%, on n'a pris que 3 ans d'un, vous y croyez, moi j'y crois pas là. Mais c'est bizarre, pourtant j'en ai pas ramassé là.
Donc ça, l'auto-chargeuse là, on va la descendre aux vaches, mais normalement il y en aura déjà trop d'herbe en bas, donc il va falloir vraiment y stocker. Vraiment y stocker correctement, donc là. Ouais, il y a la luzerne des endroits, donc justement. Ah, punaise, voilà, j'ai pas fait gaffe, et ça a bloqué. Oh oh, et vu que j'ai appuyé. Ouais, alors si vous voulez en fait le mode pour courir plus vite, c'est sur la touche 3, et vu que le 3 ça va lui hauteur de vitesse. A chaque fois que j'appuie sur la touche 3 pour enclencher le régulateur, faut que je donne un coup de klaxon, sinon je cours comme un malade après. Donc voilà, alors on va repartir sur la gauche. Voilà. Ça a failli bourrer là. En fait, si vous voulez, c'est dès que c'est dans l'eau. Ah putain. Dès que c'est dans le rouge que ça bourre. Ah, vous voyez, là j'ai appuyé sur la touche 3 et comme l'abruti, j'ai pas remis la touche 0, donc on met 3 et 0 tout à près, on remet en marche la machine. Et mais non, mais j'ai pas passé 7 km/h quand même, sans déconner. Moi je crois bien que ça va faire comme ça. 7 km/h. Mais là au moins ça bourre pas, ouais, c'est clair. Hein. Si ça bourre à 7 km/h, faut m'expliquer. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'il y ait de la luzerne et que ça y compte comme de l'herbe. Franchement. Ah non, je suis déjà à 100%, non. Ouais, j'y crois pas. Donc on va remonter. Qu'est-ce que je fais? Non, attends. Voilà. Donc bah ma foi on va descendre aux vaches. On va leur donner tout ça. Alors on sait que je peux passer. Ouais, on va couper par là. Ah putain, oui la souris déconne. Alors il y a des fois ça clique tout seul, ça. Il y a des fois ouais ça tourne la souris tout seul, c'est un peu ouais. Alors on va passer par là, donc je crois que si on descend là on atterrit directement en face de la ferme, on passe pas par le tunnel. Donc on verra bien. Donc je pense que ça va remplir à 100% déjà ce qu'il y a en bas là. Comment? Vous savez les gros silos là qu'il y a avec... Enfin le stock quoi pour le robot quoi. Donc voilà. Donc là ça a monté, ça va déjà le calmer un peu. Ouais, là il y a une sacrée montée. Ah ça le calme. Ouais, déjà perdu 20 km/h. Ah c'est quelque chose. Et là, pas sûr qu'on monte. Aïe. 15. Allez, allez, allez. À 10. Ah ça va vraiment être juste là. Si voilà, on est descendu. Alors on est passé de 40 à 9 quand même dans la montée là. Voilà, elle est nickel. C'est reparti. Ouais, donc il y a le problème aussi de ce stuff, c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités que moi mon ordi c'est pas un ordi non plus super on va dire. Et que ça le fatigue aussi un peu, enfin il aime pas trop ça. Donc ça fait déjà depuis le 2013 que je l'ai. Ouais, depuis le début 2013 que je l'ai en décembre. Et ouais, donc celui-là, ça le fatigue. Il aime pas trop ça, voilà. Bah c'est simple, de toute façon je l'ai presque l'ordi là depuis les débuts de ma chaîne, donc il a presque 3 ans je crois. Peut-être 4 cette année en décembre. Donc bon, je suis même pas sûr que Farming 2017 va tourner dessus. On essaiera, mais bon, vu que chaque année les graphismes et tout ça augmente à chaque fois, donc je suis pas sûr que ça va réussir à tenir cette année.
On verra bien, je croise les doigts, hein, mais bon, si jamais. Voilà. Après, il n'y a pas de raison. Mais... Alors, ici, si je me trompe pas, faut aller. Attendez. Je ne me rappelle plus. Ah, allez. Donc, normalement, c'est haut, faut une connerie comme ça. Et vu qu'on n'arrive pas à s'arrêter, ouais, c'est pas grave. On va mettre ça, tac. Ah merde, du coup j'arrive. Ah non, j'étais directement à l'autre bout. Et si je passe tout droit, peut-être que ça va faire couper, ouais. Ouais, normalement ça fait couper. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça avait coupé. Génial, Bandicam, je t'adore. Donc là, on passe devant le panneau 50. Ouais, donc normalement si on continue tout droit, en fait je suis jamais passé dans le village là. Donc si on continue tout droit, ouais en fait c'est toutes les mêmes baraques. Donc si on continue tout droit, normalement on devrait tomber à peu près à quelque chose près sur la ferme. Donc là c'est le dépôt. Ouais, je reconnais un petit peu. Donc normalement si on continue tout droit, on va atterrir... vers le croisement, je sais pas si vous voyez bien, mais vers le croisement en face du pont. Enfin du tunnel. J'y arrive pas, les ponts et les tunnels. Et donc ensuite, tu n'auras plus qu'à prendre à gauche direction le biogaz et passer sous le petit pont. Et ce sera tout bon. Alors c'est où, c'est où, c'est pas encore là. C'est bientôt, normalement on est bientôt arrivé. Ah, le train, on l'entend. Ouais, ça qui me gonfle, la map a tellement de fonctionnalités que ça arrive pas à tout charger en même temps. Surtout que vu que c'est une grande map, quand on est à l'autre bout de la map, qu'il faut que ça charge ce qui est à l'opposé, parce que tu regardes en face, c'est le bordel. Puis il y a tellement d'arbres, de trucs comme ça, je pense que... donc là c'est juste après le virage je crois à gauche. Ouais, ça doit être ça. Là il y a un chemin que j'ai jamais vu. Faudra peut-être qu'on vienne ici faire du bois un de ces quatre. Je pense que c'était quelque chose quand même de pas trop mal là-bas. Là. Ouais, c'est là, voilà. Voilà, donc vous voyez le tunnel là, et là, tac. Oh. C'est qu'elle pousse là, la petite. Ouais, donc faudra aussi peut-être ramener un de ces quatre, l'Express et puis le Renault. Ah, est-ce que ça a monté? 17, 16, aïe. Vous voyez, on met quand même à peu près 5 minutes à traverser, pas toute la carte, mais quelque chose près, c'est à peu près ça. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait génial. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ouais, donc on va pas griller le feu rouge, sinon on va encore se prendre l'amende là. Ah punaise, je crois que ça a fait. Non. Ouais, si, c'est bon. Donc c'est normal que vous entendiez les petits bruits Windows là, c'est qui sont géniaux, c'est que ouais. Voilà, en fait à chaque fois que j'appuie sur Alt et une lettre, bah ça le fait. Donc ça doit m'ouvrir une fenêtre ou il doit y avoir quelque chose avec ça.
Et voilà, donc c'est vu que c'est pour le mode Abider, je suis obligé de l'utiliser. Ah ouais, donc on va y verser ici, là, c'est ce que je vous disais. Donc alors, les genisses sont paillées. Et elles font pas de fumée. Mais sinon, tout va bien. Oh, freine, arrête-toi. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur... pour remettre les menus... Oh, pourquoi il va vider? Top, 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 top. Donc alors on vide. Alors il y en a pour un petit moment. Ah putain, ça rentrera pas tout, il va falloir remonter là. Oh non, le bordel. Puis en plus elle glisse l'autochargeuse. Vous voyez, les taxes, ça c'est fait, c'est plein. Ah non, on peut peut-être en mettre plus que... Ouais, voilà. Bon, c'est déjà ça qui est pas mal. Donc, pendant que ça s'avide, nous, on va aller regarder... Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? Ouais, on peut pas le faire à deux, c'est un peu con. Donc, ouais, on va déjà ramener l'express. Au moins au bâtiment de la ferme là-haut, sous le tunnel. Allez, tac. Elle avance, avance. Donc je vais vous faire voir ce que ça fait si on grille le feu rouge, pour ceux qui se demandaient. Donc ça va tout simplement nous mettre une amende et nous bouffer l'argent. What? Ah ok, donc là ça la met pas, ça me gonfle. Ça marche une fois sur deux. Quand je suis pas en vidéo ça marche, et puis là ça marche plus. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, essayer de la foutre sous le tunnel là et puis on ramènera. Voilà, et on va ramener. Alors lui c'est bon, il est à zéro, donc du coup on va essayer de retourner auto-charger. Donc ça me... honnêtement. What? Ah c'est quoi ça ce bordel? Bon ok, donc honnêtement ça va pas me gonfler mais bon presque. Alors ce qu'on va faire, on va se téléporter. Si ça veut bien, s'il vous plaît. Ouais, nickel. Bon après il y a des traces, c'est un peu moins réel, dommage. Oh oh oh, et oh, reste dans ton tracteur. Oh là là, le bordel que c'est, je vous explique même pas. Bon alors bientôt ça ramera plus. Faut savoir qu'on a déjà essayé sur des serveurs en multi. Et les serveurs rament beaucoup moins que le solo. On va savoir pourquoi. Même avec des mods, hein, il y aura tous les mods du roleplay dedans. On a déjà essayé, on a mis en place les parties, etc. Et tout fonctionne. Alors bon, ben voilà. Alors tac, on va s'en mettre. Donc là c'est sûr que ça va encore bloquer auto-chargeuse. Vous voyez, là ça rame absolument pas, vous voyez, c'est assez fluide là. Enfin, pour moi, c'est assez fluide là. Et dès qu'on regarde de l'autre côté, ça commence un peu à ramer. Et puis, il y a des fois, ça rame directement. C'est vraiment con. Hop, hop, hop. C'est bon, c'est baissé. Alors, tac. Donc en fait j'en profite aujourd'hui aussi pour faire une vidéo parce que bah, vu que ça pleut dehors, bah il n'y a pas grand chose à faire, hein, pour des vaches à tarir, etc. Donc du coup il n'y a pas de foin, rien à faire pour l'instant, donc pas vraiment besoin de nous pour l'instant. Du coup bah, c'est pour ça que je fais un peu des vidéos, j'ai essayé d'en profiter. Cet après-midi je vais essayer d'en faire plusieurs, comme ça je pourrais essayer de vous les poster au fur et à mesure qu'il y a... Voilà, alors ça va me couper. Alors,
3, 2, 1. Voilà, donc ça vient de couper. Donc voilà, donc je vous disais que je puisse vous les poster au fur et à mesure, que ça vous fasse un peu d'activité, on va dire, quand même, sur la chaîne, que ça reste pas comme, comme la dernière fois, une vidéo par mois. Ce serait pas mal. Donc j'essaie d'en faire une sur truck et une sur construction. Ainsi qu'une présentation de mode dans la même après-midi. Donc je sais pas si je vais réussir, on verra bien. On espère, on croise les doigts. Vous voyez, ça commence quand même à repousser par-dessus. Ouais. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'y ai fauché. J'ai même pas pu donc y pirouetter parce que ça se pirouette pas. Donc, quand on passe la faneuse dessus, bah, il y a que dalle. Ça retombe pas, ça change pas. On est obligé de la ramasser fraîche. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a mis de l'herbe, quoi. Allez, plus de 3, ça rentrera pas du tout dans cette auto-chargeuse, hein, on va pas y croire. Je pense qu'on va changer aussi de batteuse tant qu'on y est. On va acheter la TX34. Et on va vendre celle-là, hein, vu qu'on a un petit peu d'argent, 28 000 euros. Donc je sais plus combien elle coûte, on va regarder ça tout de suite. Aïe, ça a ramé. Ça rame, ça rame. Allez, voilà. Donc catégorie mode, batteuse. TX34, 17 000 euros. Bon, on peut même l'acheter tout de suite si on voulait, voilà. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc voilà. On est à la fin de la vidéo, on essaiera un petit peu. De faire ça. Ça rentrera pas tout, vous allez voir, il va rester juste un tout petit bout de rien du tout, c'est juste pour dire bah, que ça rentre pas, quoi. On va déjà essayer de ramasser les lignes complètes et puis les petits bouts, on y verra après si on met de la place, mais à mon avis il va rester juste une petite ligne de rien du tout. Et puis après je pense qu'on arrêtera, ouais, ce sera juste un épisode où on va ramasser. Et donc c'est pour ça aussi que le roleplay me paraît intéressant, donc il y a plus d'activité en fait dans une vidéo que dans une vidéo en solo comme ça où on fait que un travail par vidéo. Donc voilà. Alors on va finir, allez, 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 active. Ah punaise, vous allez voir, ça n'a pas rentré. Ça fait 12% un voyage. Si c'est pas plus, ça me semble. Ça dépend tout de la taille de l'enduit. Donc là je vois que ça bourre pas trop, vous voyez. Peut-être que je peux passer en deux. Mais en deux, vous voyez, ça bourre trop. Donc on va repasser en tac. Vous allez voir, ça va pas rentrer. Il va rester rien du tout, mais rien du tout. Il y en a 89, ça rentrera pas. Punaise, ça rentrera pas, tu sais. Quand dans la réalité, tu peux encore bourrer un petit peu dans l'autochargeuse, tu te dis, bon, les filets encore, voilà, ça va ramasser un peu, mais c'est pas bien grave. Mais là, c'est dans farming. Voilà, c'est pas la réalité. Dans farming, tu baignes un tracteur, tu baignes un télescopique, aucun problème. Dans la réalité, c'est pas pareil. Pouah, il va rester rien, ça me dégoûte. Oh là là, non. Regardez, 99. Et allez, bam, terminé. Alors, faut savoir que ça marche une fois sur 100, c'est téléporté. Et alors là, comme c'est là, le robot marche pas.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un truc qui a été enlevé, et comme c'est là, ça ne fonctionne pas. C'est moi qui ai dû très peu. Ça me gonfle. C'est moi qui ai dû me tromper en faisant du ménage dans le dossier mode. Et comme c'est là, ça m'a enlevé pour mode ou une connerie comme ça. Oh, allez! Bon, attendez, on va faire le tour. Alors, et comme c'est là, si j'ai tout dans la tablette. Ouais, mais si, normalement ça marche bien. Sauf que là, il reste presque plus rien. Bougez pas, on remet un peu. Arrête-toi, vite pas, vite pas, vite pas tout, vite pas tout. On va essayer d'en foutre un peu dans les auges. Et pas un très grand angle de braquage, le tracteur là. Essayer de repartir un peu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais franchement, non, c'est saoulant quand ça bug. Allez. Ah oui, du coup, il a fini de nous y mettre. Ok, bon, c'est bon. Donc, on va se téléporter encore une fois en haut de la ferme. Et donc là, ça marchera pas vu que je pense qu'il y a des collisions. Si, ça va. Donc, c'est vachement réel, je m'excuse. De toute façon, on est à la fin là. C'est le tout dernier en main. Et voilà. Alors, autant il y a des andins, tu roules à 16, il n'y a aucun souci. Là, tu roules à 16 dans les andins là. Ça va être chaud. Bon, voilà, donc ça c'est fait. On va se retéléporter juste ici. Juste ici. Toujours pas. Alors, c'est ça aussi un peu le problème. C'est que ça marche une fois sur 40. Voilà. Donc, on va vider ça aussi dans les eaux. On va pas trop en mettre là-bas. Alors, tac. Voilà. Au moins on est tranquille. On sait qu'elles ont ce qu'il faut pour manger. Assez de paille. Oh, arrête de déraper. Oh, orangé. Et on va le mettre là. Donc voilà. Donc, tac, les planches de bois. Voilà, donc on va le laisser là. Alors attention. Ah punaise. Ça c'est aussi le truc quand vous passez en vitesse 1, ça vous met hyper lent, ça sert à rien. Donc on détache tout ça. Et oh, prime. Et s'il vous plaît, allez comprendre le fonctionnement de ceci. Voilà. Et on va se foutre là-bas. Alors je crois qu'on pourra pas faire rentrer le Renault avec. Hein. Je vais reculer un peu plus. L'arrêter. On va voir pour le Renault là si on arrive à le rentrer.
Au pire, on va faire autre chose, on va le laisser à biogaz, on va essayer d'aller vider à biogaz et puis on va le laisser là-bas. Alors là, ça peut être la même. Vas-y, monte, allez, allez, active. Donc ça fera quand même une vidéo de plus de 40 minutes. Voilà, donc c'est, vous voyez à quel point c'est quand même difficile de faire des vidéos courtes sur farming. Ah, nickel, c'est ouvert. Avec un peu de chance, on va se retrouver enfermé. Non, ça fait 22 h. Ouais, c'est bon. Alors, comme c'est là, ouais, il y a un gros truc qui a ramé là. Il y a un truc qui a dû planter correctement, je pense. Parce que normalement ça met le feu rouge, feu orange, feu vert. Et là on n'y est pas du tout. Alors faut juste que je retrouve ces cons vides. Je crois que c'est en haut. Ouais, je crois que c'est là. Ah non, merde, bah c'est où alors? Top, top, top. Alors, faut que je me rappelle. Voilà, donc haut pour la porte. On va la refermer. Ouais, ça doit être là, là. Ouais, c'est là. Voilà, on est d'accord. Tac. On va aller refermer la porte là. Oh, j'ai dit fermer la porte, s'il vous plaît. Oh! Quand il n'est pas décidé. Et on va aller voir s'il y a quelqu'un juste. Alors, est-ce que c'est où est. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un. Oh, ça rame. Vous voyez à quel point ça rame? Bon, de toute façon, il n'y a personne. Alors, on va fermer la porte là. On va ouvrir celle-là. Ça m'a ouvert les deux. Oui, c'est pas grave, ça fera là. Et le tracteur, on va le laisser en bas. Donc vous allez voir. Alors, tac. Alors ça, j'ai jamais compris quoi ça servait. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, ferme-moi cette porte. Nickel. Et moi, je veux que tu me fermes celle-là. Et tout ira bien. Nickel. Allez. Alors maintenant, on va aller rentrer le tracteur. Tac. On va le laisser là de toute façon. Alors je sais plus de quel côté on rentre, si c'est là. Non, visiblement c'est pas là. Est-ce que là on peut pas ouvrir les portes du coup? Ah oui, si c'est là, ouais, ok. Et on va celle-là, ouais, elle est bien, c'est pareil. Et on va y arriver. On va se remettre droit. Voilà. Tac. Donc on va fermer la porte là. La porte là. On va repasser vite dessous.
Et donc voilà, donc les amis, bah, j'espère que cette vidéo... j'arrive toujours pas à parler. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans tous les cas, bon, on se retrouve donc très très vite, vu que j'ai tourné les autres vidéos maintenant. Et donc voilà, bon, bah n'oubliez pas de liker si, si la vidéo vous a plu, de partager, etc. Et puis donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo, et vous retrouverez bientôt Vincent dans ses propres vidéos sur notre chaîne. Voilà, allez, salut! We are the farmers.